eh bien, les erreurs sont de moins en moins acceptées, surtout quand il y a eu peut-être quelques dégâts. Oui, c'est vrai que c'est un peuple, l'Australie, qui a eu une autre concession, avec philosophie, presque avec le sourire, et voilà. On ne sort qu'à coup sûr du côté du Brésil. Ouais. Emerson qui cherche la faille, ne la trouve pas, il revient derrière avec Lucio. Du coup, le pressing va se mettre en place. Et c'est sorti, ballon pour Kaka. Accélération. Il n'y a pas hors-jeu ce coup-là, attention. Attention. Et voilà, Ronaldo est recordman du monde des buteurs. Il vient de marquer son 15e but en 3 Coupes du Monde. Moment exceptionnel, moment historique. Voilà, superbe passe de Kaka. Avec l'équipe du Ghana, je la défends, je joue en ligne, seulement un joueur sur le côté droit, comme vous pouvez le voir, court. Et intelligemment, Ronaldo se lance au dernier moment, passement de jambe. Et je finis tranquille. Ronaldo est toujours aussi grand, malgré tout ce qu'on peut dire. Hop là. Il n'y a pas eu photo. Le gardien fait Muntari. C'est une 2. Allez, boum. Allez, boum, mon grand. Allez. Il n'est jamais en position de frappe, il la cherche, sa position de frappe. Attention au contre. Lucio. Il est pas hors jeu, il arrive de derrière. Kaka et Cafu. Kaka, attention, ils sont deux, ils sont trois. Cafu qui va pouvoir centrer. Aïe, ce sont des tueurs. But marqué par Adriano. Ce sont des tueurs. Juste avant la mi-temps, le Brésil mène 2-0. C'est une machine à tuer, cette équipe du Brésil. Un but en début de match, un but avant la première mi-temps. Et on subit tout le reste. Là, il n'y a pas hors jeu. Hein. Parce que Adriano ne fait pas action de jeu. Mais là. Il est hors jeu, Adriano. Il est peut-être un petit poil, hein. Enfin, il est hors jeu. Ouais. C'est un scandale. Ils vont arrêter de faire des bêtises. Quand vont-ils arrêter de faire des bêtises, ces arbitres? Énervant. Ouais, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Là, c'est pour l'intérêt supérieur de la France. Voilà, exactement. Le problème, c'est qu'il faisait un peu frais ce jour-là. Hein. Ah ouais, le terrain était gelé, ouais. Et Ronaldo, Gilberto Silva. Juninho, Ricardinho. Ouais, bon ballon. Aïe. Et c'est Roberto. Non, zéro Roberto. À la 84e minute. Bon, ce coup-ci, c'est bien, il n'y aura pas en jeu, donc c'est bien. Non. Là. On va échapper belle. Trois zéro.